Je dis un peu des conneries, bienvenue chez GT, mais on est toujours en 89 et je trouve... Ouais, parce qu'il est métier de con. C'est Eric, Carole. Voilà. Elle était là, Carole. Bon, rigolez. L'original, tu sais. On rigolait bien. C'était à la Meulari. En 89, je te signale. Ils font des trucs de voix, alors c'est rigolo. Alors, cowboy, tu viens? C'était rigolo. T'as déjà eu 20 ans. Le petit con, tu connais même pas le vinyle. Tu connais pas, il prend du Guetta, David Guetta. Alors, heureuse. Ah, vraiment, tu manques de volonté. Hein, c'est complètement nul, c'est rigolo. On se fendait la gueule, à l'époque. À l'époque, tu pouvais rigoler, sans déconner. Hein. Bon, tu peux rien faire. Il y a des drones et tout. Tu pètes un peu trop fort. Pourquoi faire le con? On était en meule, tranquille, le casque, quoi, rien à foutre. Regarde tout ça. T'as le matelas en meule et tout. Tout à fond. Non, mais attends. T'arrives au mobile. T'arrives en string. T'arrives au mobile. Et voici oui. L'invisible et voici... qui amène les bières. Les commentaires à côté. Oh, j'en ai tiré. Regarde ça, quoi. Ouais, garde-le, Henri. T'es comme je suis content. Je suis content de voir ça. Ça merde, je sais pas. Là où ça avance pas. J'imagine tout le cadavre derrière. Tout le cadavre. Oh, mais. Je peux plus faire ça maintenant. Sinon, il va t'arriver, je sais pas, 12 camions de CRS, ils vont te faire chier. T'as même plus le droit de déconner. Eh oui, là. Eh oui, là. Oui, alors d'accord. Le petit squat, alors on est dans un petit jardin, là, il y a des machins ressorts, aussi, pas de problème. Eh oui, là. Comment ils sont, les mecs? Bon, on se... Waouh, là, on est ailleurs. Carrément, je me croyais sur le truc. 26-3-89. Alors on est à Paris. Alors on va aller chez Philippe. Ma machine dans son bois, ça. T'es qui tout. Franck, je suis désolé. Oh putain, le métro. Voilà. Là. Oui, alors. On va demander pardon. On a 20 ans. Oui, alors ça. Oh, pardon, faut pas le montrer. Le luxe c'est droit. Je ne sais pas. T'as pas du feu de cocktail? Tiens,
Lucas, il faut pas que tu regardes ça. Mais enfin, il faut que tu le regardes. On a 20 ans. Je sais pas combien de temps on a là. Mais c'est pas grave. Je le mets. Ah, je vais le mettre. T'as pas filmé là ? Le coup de l'extincteur, c'est. Là, vous filmez encore ? À côté, monsieur, t'es en train de battre. Comment ça s'appelle ? Autofocus. Alors là, la motofocus ? Je vous fais dire maintenant un peu tout le monde. Ah ! Et après, on dirait que c'est là qu'on va à la taverne de Nels. Et je suis pas sûr. Mais ça, je dois le mettre. Ah, pas sur la caméra, t'es con. Sur la verrie. Et t'imagines, on a 20 ans. Et tu fais ça maintenant, mais. Tu peux pas. Nouvelle version demain. Arriver à la traque. Ils s'inquiètent, les gens. Et les gens, ils s'inquiètent. Oh non, moi je vois plus. Hein. Je l'aimais bien lui. Oh, pardon Lucas, tu vois ça. Écoute, on rigolait bien. Vraiment, on rigolait franchement bien. Un monde d'espace-temps en 89. En fait, on était con et tout le monde y stresse. Oh, bah, il stresse pas, mais. Elle était belle. Bon, alors, oui. Ok. Est-ce qu'on peut. Qu'est-ce qui se passe ? On roule ou quoi ? Voilà, pardon. Mais il faut le mettre. Au moins, on a vécu des trucs. C'est pas les mecs normalisés, je sais pas, BHL TV, c'est pas pareil. Là, je suis au prochain éléphant. Moi, je vais l'arrêter là. À boire! N'avez-vous pas? Après, on va à la taverne de Nels. Nouvel épisode. On est en mars 89.